À ce jour, je ne sais toujours pas à qui j'ai offert ma sélection de produits et qui m'a offert. Je tiens à vous offrir la moitié, qu'on fasse un partage. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo spéciale Noël Secret Santa. J'avais encore jamais participé à ce genre d'opération et là en plus c'est un Secret Santa spécial YouTuber. Donc quand Wish m'a proposé de participer, j'ai tout de suite accepté parce que ça me permettait de découvrir de nouveaux créateurs de contenu que je ne connaissais pas. À ce jour, je ne sais toujours pas à qui j'ai offert ma sélection de produits et qui m'a offert les produits reçus, donc je découvrirai en même temps que la mise en ligne de la vidéo. Je suis super impatiente. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe du Secret Santa, en fait l'idée c'est de faire un échange de cadeaux à des personnes qu'on connaît pas forcément, donc en plus c'est un tirage au sort. Le principal objectif c'est de pouvoir faire plaisir à une personne qu'on connaît pas. Donc on va découvrir ensemble ce que j'ai reçu, mais honnêtement je trouve que j'ai déjà beaucoup de chance et vraiment j'ai besoin de rien. C'est plus des bonus et je serais très contente de recevoir des cadeaux, mais je tenais dans cette vidéo, sachant que je vais recevoir 6 articles, je tiens à vous offrir la moitié, qu'on fasse un partage. Donc je vous dirai au fur et à mesure, en fonction de ce que je découvre, ce qui rentrerait chez moi et ce qui ne rentrerait pas, mais dans tous les cas je pense que ce sera une bonne sélection. Enfin, j'ai confiance en la personne qui a choisi ça, et du coup vous pourrez gagner 3 des articles. Je vous mettrai le formulaire de participation en bas comme d'habitude. Ça fait plaisir de pouvoir partager, on va dire ça, avec vous, et vous puissiez aussi être dans cette OP Secret Santa quoi. Donc on va commencer par les cadeaux que j'ai reçus par mon secret duo que je ne connais pas, mais j'ai vraiment hâte de savoir qui c'est. Alors la première chose que j'ai reçue, en fait je l'ai déballée parce que je ne savais pas que c'était pour cette vidéo, mais je suis bien contente de l'avoir découvert. C'est vraiment dans le thème du moment puisque j'ai reçu ceci. Alors je sais pas si vous verrez bien, j'ai pas assez de recul je pense. En fait c'est une décoration de Noël pour les chaises, vous savez, vous couvrez le dos des chaises avec pour avoir justement cet esprit un peu bonnet de Noël, super sympa. Et moi je vous avoue que ici j'ai absolument aucune déco de Noël, j'ai même pas fait de sapin cette année parce que c'est un peu petit, et puis je sais pas, j'avais pas spécialement envie de mettre des petites touches, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'en plus j'ai des guirlandes et tout, donc ça va me motiver à le faire. Et c'est ultra sympa parce que c'est des touches de déco assez faciles en fait à faire, il suffit de couvrir le dos des chaises quoi. Et c'est des décos réutilisables, surtout moi j'aime beaucoup pouvoir réutiliser en fait les décos d'une année à une autre, donc ça c'est parfait. Je suis très contente. Continuer avec un article qui était énorme quand j'ai reçu, donc je l'ai déballé, je vais vous montrer. C'est un énorme, énorme plaid en fait, et c'est super sympa parce que du coup c'est couleur rouge, encore une fois super fort dans le thème. Et vous avez deux côtés, vous avez un côté plus lisse en polaire comme ça, et puis vous avez ce côté qui a l'air tout doux, tout chaud. Et c'est super super lourd, c'est énormissime, je crois que c'est vraiment pour limite un lit de personnes quoi, mais on peut le mettre aussi sur le canapé évidemment. C'est vraiment doux, mais c'est vraiment lourd aussi. Par contre ça c'est pas un produit que je vais garder, j'ai préféré vous l'offrir aujourd'hui puisque j'ai déjà en fait acheté un plaid que je dois encore terminer parce que c'est un plaid que je fais moi-même, bref. Et du coup ça sert à rien d'avoir des doublons, même si je suis très contente, mais en fait c'était totalement ce dont j'avais besoin puisque je l'ai déjà acheté, donc merci à la personne qui a choisi ça, c'est très très cool. Ouais, ça fait même un joli fond de photo et tout, bref, non. Je vais vous le donner parce que clairement ça ne sert à rien d'avoir des doublons, et je suis sûre que ça fera plaisir à l'une ou l'un d'entre vous. Ensuite, le troisième article que j'ai reçu, c'est ce set de cuillères Tea Time avec dessus en fait des petites théières comme ça. On voit que les cuillères sont d'une excellente qualité en fait, c'est fait vraiment tout en finesse. Et pour être honnête, c'est pas trop mon style au niveau vaisselle parce que j'ai déjà en fait tout un set. J'ai également donc reçu cette paire de gants. Je pense que c'est vraiment des gants thermiques, et il faut savoir que moi justement j'ai eu des problèmes de circulation sanguine, enfin j'en ai toujours, et j'ai la maladie de Raynaud. Donc pour moi c'est super important justement de protéger mes mains en hiver. Du coup je suis très contente d'avoir reçu cette petite paire de gants de protection parce que c'est forcément pour moi quelque chose qui est utile, et cette personne ne me connaît pas donc elle ne sait pas, mais franchement c'est une bonne sélection. Ensuite j'ai reçu cet oreiller spécial Noël.
En fait, au début, je ne savais pas que c'était mon Secret Dio qui me l'avait envoyé. Donc, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai reçu ce colis? Mais je suis super contente parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas de déco de Noël. Et donc, là, il y a de quoi faire. En plus, c'est vraiment, vraiment mon style. Vous le savez déjà si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, le doré comme ça. Et à certaines périodes de l'année, je pense que c'est vraiment très sympa. Et je suis vraiment contente parce que ça va faire justement des petites touches de décor dans mes vidéos. Le dernier article, je viens de le recevoir, c'est pour ça que je voulais filmer la vidéo tout de suite, c'est ce LED néon. Je suis super contente parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on en voit beaucoup, je trouve. Et je savais pas exactement en quoi ça ressemblait, donc là, ça me permet vraiment de découvrir. On va découvrir ça ensemble. Hop là. Donc dessus, c'est marqué « Good Vibes ». Comme ceci, et c'est par câble USB, donc ça c'est cool parce que c'est plus facile que sur secteur, je trouve, parce que j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Ouh, regardez, c'est tout rose, pas encore enlevé la protection plastique, mais c'est sympa, non? Enfin, moi je trouve que ça fait un rendu assez cool, ça pourrait vraiment aller dans ma déco en vrai. Franchement, j'aime bien, je crois que c'est mon article préféré de ce Secret Santa. Je suis super contente, super étonnée. C'est pas du tout ce que moi j'ai choisi pour cette personne, donc j'espère que ça ira parce que j'ai l'impression qu'elle est vraiment partie dans le thème Noël, décembre, et moi en fait j'étais plus dans le thème confinement, on va dire. Donc j'ai essayé d'offrir des articles de maison pour se sentir bien chez soi et faciliter justement la vie à la maison, parce que je trouve que quand on passe beaucoup de temps chez soi, on se rend compte aussi des petits défauts, des petites choses qui nous feraient un peu plaisir. Et donc je vais vous partager aussi ma sélection de cadeaux sur Wish que j'ai offert à mon Secret Duo. Donc le premier article, c'est une petite table d'appoint qui fait aussi table de petit déjeuner sur le lit, etc. pour support ordinateur. Je trouve ça super pratique, moi c'est vraiment quelque chose qui a toujours été utile. J'avais ça bien avant le télétravail et tout, mais je trouve ça très agréable d'en avoir un. Donc j'en ai choisi un en bois parce que je trouve que c'est plus durable et que ça s'intègre beaucoup mieux dans toutes les décorations. Ensuite, j'ai sélectionné également une petite boîte à bijoux, ça permet vraiment de transporter un petit peu ses trésors en voyage facilement. C'est aussi un rangement à bijoux déjà en lui-même, c'est un très bel objet, donc je trouvais que ça c'était un chouette produit à offrir. Dans le cadre de ce Secret Santa, j'ai aussi choisi un produit que en fait j'aurais bien apprécié recevoir parce que je trouve ça assez drôle et assez fun, c'est une machine à barbe à papa. Alors celle-ci, je la trouve super girly, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée. J'ai tout pris en option express parce que sur Wish, en fait, vous avez cette option-là qui vous permet de faire une livraison beaucoup plus rapide et parfois vous avez suivi et tout, donc ça c'est vraiment top. Et donc le plus gros cadeau que j'ai choisi pour mon Secret Duo, en fait, et que je trouve super utile, enfin moi c'est un produit que je possède et que j'adore, je savais même pas qu'il était disponible sur Wish, en plus à un prix vraiment beaucoup moins cher que moi je l'ai payé honnêtement, et c'est le même produit, hein, donc c'est le Pro Scénic P8 avec les détails roses ici. Il est vraiment déjà très design, très beau, mais surtout il est très efficace. Et moi, depuis que je suis plus souvent chez moi, honnêtement, je passe ma vie à aspirer tout le temps parce que je vois directement quand il y a des poussières ou des cheveux, parce que je perds tout le temps mes cheveux. Et ça, c'est vraiment un indispensable pour moi. Je suis super contente d'avoir pu l'offrir. Il y a plein d'accessoires évidemment qui est livré avec. Là, j'ai l'embout de précision entre guillemets, mais vous avez aussi donc la brosse, enfin vous avez plein d'accessoires, et la batterie tient très très bien, donc ça c'est voilà, c'est un de mes produits préférés, je vous l'ai déjà présenté, donc c'est pas une surprise, c'est juste que je ne savais pas que c'était disponible sur une plateforme comme Wish, et je suis super contente du coup d'avoir pu partager un de mes favoris à moi à une autre personne. Enfin, le dernier produit que j'ai choisi pour mon Secret Duo, c'est un petit chariot que moi-même en fait j'ai acheté. Alors c'était pas exactement le même, mais j'en ai acheté un justement pour pouvoir ranger un petit peu ma cuisine. L'avantage en fait d'avoir un chariot comme ça, c'est que ça fait un espace de rangement mais aussi un espace de travail, puisque vous pouvez le déplacer, vous pouvez facilement l'utiliser près de vous. C'est aussi un rangement d'appoint, on va dire, mais qui fait un petit peu déco, et donc moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je l'ai choisi en blanc, j'espère que ça ira parce que j'hésitais entre le blanc et le noir. Pareil, c'est un côté pratique que moi j'apprécie beaucoup. Donc voilà pour cette sélection, j'espère que cette vidéo Secret Santa qui sort un peu de ce que je fais d'habitude vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré participer à cette opération. Donc pour rappel, dans cette vidéo je vous offre également des cadeaux, puisque 3 des produits que j'ai reçus aujourd'hui, je vous propose de le gagner. Donc ce que vous allez pouvoir gagner, c'est les petits couvre-chaises de Noël
que je trouve franchement très très chouette, mais en fait moi j'ai des chaises hautes et j'ai pas de table à manger ici, donc ça sert à rien, je suis même pas sûre que ça puisse vraiment aller, mais ça c'est une idée déco super sympa. Je vais également vous offrir le gros plaid ici, en plus il y a aussi des thés d'oreiller qui accompagnent, donc ça c'est trop cool. C'est juste que j'ai déjà un plaid et du coup ça fait doublon chez moi, je pense que ça sert à rien, je préfère l'offrir à quelqu'un, surtout que celui-ci il a l'air vraiment qualitatif, il est très lourd comme je vous ai dit. Du coup voilà, ça tient bien chaud et ça rentre parfaitement dans le thème de fin d'année. Le dernier article que je vais vous offrir c'est le set de cuillères. Il suffit donc comme je vous ai dit de remplir le formulaire qui est en barre d'infos et de lire les conditions de participation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.